le géant Jean Ferré, on n'a pas tort de le dire. Il mesure 7 pieds 4 pouces et lui prétend que c'est normal. Vous trouvez que c'est normal, vous, 7 pieds 4 pouces? C'est ce qu'on m'a toujours dit, j'étais vraiment normal. Vous avez vu la largeur de cette main? Regardez ça. Tiens. C'est incroyable. Parce que le fait d'être aussi grand, ça n'est pas suffisant pour être le vainqueur tout le temps. Il faut être fort en plus. Il faut être fort, puis il faut avoir la souplesse, puis il faut aimer la lutte pour le faire. Vous aimez ça? Ça fait 9 ans que je le fais en professionnel, puis j'ai fait 2 ans en amateur avant. Est-ce que vous auriez pu gagner votre vie autrement? Je crois pas, parce que tout me coûte vraiment très cher, tels que les habits, pour manger surtout aussi. Vous mangez beaucoup? Essayez de m'inviter un jour. Non, mais... Un repas, ça a l'air de quoi, là? Si on vous sert quelque chose, vous prenez quoi? Je prends 3 ou 4 portions. Enfin, 3 ou 4 steaks en mangeant. 3 ou 4 steaks, ça, c'est un repas. Je mange pas que du steak, j'aime bien les hors d'œuvre. J'aime bien boire une bonne bouteille de bon vin avec ça. Une bouteille, vous, c'est... C'est un verre. Alors évidemment, il faut gagner beaucoup d'argent pour y arriver. Dans le métier que vous faites, vous arrivez à peu près à vous en tirer. Je m'en tire assez bien. Il vient pas vite, votre chum, hein? Si j'étais toi, je fermerais mon grand trapin hein, parce que mon chum est capable pour te la fermer bien raide. Est-ce que vous faites peur aux femmes? Je crois pas, parce qu'en ce moment, j'ai plutôt beaucoup d'approches. Qu'est-ce qui les attire chez vous? Je sais pas. Il doit y avoir des gens qui vous provoquent de temps en temps, ne serait-ce que pour voir si Ferré est vraiment aussi fort qu'il prétend. Ça arrive, mais quand ça arrive, le gars, il regrette après. Qu'est-ce qui se passe, Franchin? C'est le barman. Il dit qu'il veut te donner une leçon et qu'il veut faire ça outside. Vous êtes conscient de votre force, quand même. Oui, mais je lui tape dessus jusqu'à une certaine limite, quand même. Merci beaucoup, Jean Ferré.